Faut que ça roule. Mec, elle est incroyable. Faut que ça roule. Faut que ça fume. Pour le 16 mai, on a un projet. C'est un projet qui s'appelle Course en Course. On fait une course contre d'autres établissements et on fait des duels de voitures électriques qu'on doit construire de nous-mêmes, de A à Z. C'est sur une ligne droite de quelques mètres. Bon, je suis le chef du groupe, donc mon rôle pour le 16 mai, ça serait d'essayer de voir un peu l'avancée du projet. J'essaie de motiver aussi mes collègues, je mets aussi la main dedans. Je dois fabriquer les cieux. Les cieux, c'est ce qui permet de maintenir les roues arrière de la voiture. Donc je l'ai commencé, bon, il ne reste pas grand-chose. Je vais tester la voiture, donc quand on aura la piste, quand la voiture sera bien décorée, qu'on aura tout assemblé, je la testerai. Ça apporte de la bonne humeur, j'aide aussi à décorer tout ça, à faire le stand, etc. Je suis un petit peu polyvalente. C'est responsable bonne humeur, responsable sourire, fabrication, c'est un tout. Moi, là, c'était surtout sur le design, donc tout ce qui est esthétique de la voiture et du logo. Nous avons imprimé des pièces grâce à une imprimante. Découpeuse laser, je ne sais pas vraiment c'est quoi le nom, mais ça découpe avec du laser. C'est quand même beaucoup d'usinage, ça représente bien notre formation, puis ça nous permet de participer à quelque chose de concret. Ça nous permet de réaliser des pièces qui n'étaient pas dans le programme de l'année. Donc ça nous permet de connaître encore d'autres savoirs. Ça m'entraîne beaucoup, moi personnellement, à travailler sur les machines. Le thème aussi, steampunk, ça fait beaucoup réfléchir à un côté artistique aussi. C'est beaucoup de la réflexion et puis c'est beaucoup d'acquis en plus. Elle ressemblait pas à ça au début, la voiture, donc je suis contente de la couleur qu'elle a. Il y a Malo avec Mathis et Lucas, donc ils avaient pris une couleur et la couleur qu'ils avaient mis sur la voiture, c'est-à-dire ils savaient que c'était pas la bonne couleur, c'était pas du tout joli. Puis ils avaient décoré avec des morceaux de fer qui n'étaient pas trop présentables. Donc après quand ils nous ont montré, on a rigolé tous ensemble, on a repris une autre couleur, le noir mat qui va avec la voiture. J'ai confiance en mon équipe, on est tous motivés. C'est une bonne équipe, il y a la motivation, il y a le respect. Il y a une super bonne ambiance, on s'entend tous bien, il y a beaucoup d'entraide. Je suis contente du travail qu'on a fait, j'ai très envie d'y aller, j'ai envie de voir comment ça va se passer le jour même, etc. Je crois que ça va bien se passer. C'est le concours, le but c'est de gagner, que ce soit le rang qu'on aura, la victoire, même si on est dernier, mais le but c'est d'avoir participé, soit on gagne, soit on apprend. Fier d'être apprenti dans l'industrie. Là, tout à l'heure, sur un camarade, on a repeint une chaussure à lui tout en noir et une tout en or. Ah, parce que là, du coup, je vais sortir, je vais aller m'acheter de nouvelles chaussures en fin de compte. J'avoue, il y a juste à baisser l'image.